Allez, à la une de votre journal. Dans les EHPAD, le plan bleu a été activé depuis plusieurs jours pour faire face à la canicule. L'objectif est de surveiller l'hydratation des personnes âgées et de veiller à leur température corporelle. On a suivi le maire de Lyon, Grégory Doucet, qui s'est rendu à l'EHPAD Marlieu-Berlier dans le 4e arrondissement de Lyon. Et pour contrer cette canicule, un site rafraîchi a été ouvert aujourd'hui. La Croix-Rouge a pris possession du gymnase Anguien pour accueillir les personnes les plus vulnérables. Des lits vont être installés pour recevoir un maximum de personnes. On pense aux vacanciers, mais on pense aussi à ceux qui restent chez eux. C'est le cas de plusieurs étudiants qui révisent déjà pour l'année scolaire qui arrive. Les étudiants en médecine, en classe préparatoire par exemple, sont déjà dans les bibliothèques en ce moment pour préparer en avance leurs prochains examens. Et puis à Lyon, aujourd'hui, le thermomètre a quasiment atteint les 40 degrés. Météo France annonce 39 degrés dans la capitale des Gaules avec un ressenti de 46 degrés. Depuis le 12 août dernier, le plan bleu a été déclenché dans tous les établissements qui accueillent des personnes âgées ou des personnes handicapées. Tout le personnel est encore plus vigilant depuis lundi avec cette vigilance rouge canicule instaurée dans le département. Jade Lagné a suivi le maire de Lyon, Grégory Doucet, qui s'est rendu à l'EHPAD Marlieu-Berlier dans le 4e arrondissement de Lyon. Boissons, glaces, fruits, compotes ou encore salles rafraîchissantes. Tous les moyens sont bons pour permettre aux seniors de cette EHPAD de se rafraîchir. Une attention particulière appréciée par les résidents. Bon, ça va là, au niveau de la chaleur ? Ouais, un peu le matin ? On fait attention, on essaie dans les salles climatisées. Heureusement qu'on a ça, parce que dans les chambres, il fait très chaud. Les infirmières, tout ça, ils passent souvent avec des chariots, avec de l'eau. Et ils nous font boire sans arrêt. Ah ben, ils nous donnent beaucoup à boire. Ils sont très gentils, consciencieux, tout. Ils viennent voir dans les chambres, tout le soir. Il y a un petit coucou, voilà, oui. Durant la canicule, certaines personnes âgées n'ont plus la sensation de soif. Les soignants les incitent donc à boire régulièrement et surveillent les premiers signes de déshydratation. Les signes d'alerte, ça va être la peau, la peau qui est un petit peu froissée. Ça va être une personne qui a un comportement cognitif particulier, qui n'est plus comme d'habitude. Une grande fatigue. Il peut y avoir également des nausées. Un dispositif spécial canicule qui s'inscrit dans une politique globale d'urbanisme de la ville de Lyon pour anticiper les prochaines vagues de chaleur. Nos bâtiments, certains ont pu avoir d'ailleurs des travaux récemment, sont isolés de manière très efficace, de manière à ce que malgré la température extérieure qui est très chaude, hein, il fait 40 dehors, là à l'intérieur, bien sûr qu'il fait chaud, mais on a un ressenti et on a une température qui est beaucoup plus faible. Depuis aujourd'hui et jusqu'à ce vendredi inclus, un plan bleu est activé dans les établissements accueillant des personnes âgées ou handicapées dans le Rhône. Et la canicule devrait toucher le département du Rhône jusqu'à ce vendredi et elle s'installe aussi dans les départements voisins, dans l'Ain, l'Isère et la Loire. Ces départements vont passer en vigilance rouge dès demain. À Lyon, pour aider les personnes vulnérables, un site rafraîchi a ouvert aujourd'hui, un site géré par la Croix-Rouge. Il s'agit du gymnase Anguien dans le 2e arrondissement de Lyon. Écoutez le président de la Croix-Rouge. Rien que sur la place Carnot, juste à côté de nous, on a fait 3 sauvetages de malaise, dont 2 qui sont quand même terminés en hospitalisation, alors que les personnes n'avaient que 30 à 40 mètres à faire pour venir se mettre à l'abri. Et ça durait depuis une heure. Donc nos maraudes circulent dans tout Lyon, Villefranche et tout le département. Mais effectivement, si les gens peuvent être au courant qu'il y a ce point frais, dès que vous ne vous sentez pas bien, venez, n'attendez pas. Parce que après, il peut être trop tard. Si vous êtes sur un malaise ou tout, vous ne pourrez plus vous déplacer. Donc dès que vous ne vous sentez pas bien, que vous sentez que vous avez vraiment chaud, venez, déplacez-vous. Nouvelle noyade hier dans le Rhône. Le corps d'un jeune homme d'une vingtaine d'années a été retrouvé à 5 mètres de profondeur entre la passerelle de la Paix et le pont de l'Âtre de Tassigny. Selon le parquet de Lyon, les premiers éléments de l'enquête laissent penser que la noyade serait survenue dans le cadre d'un jeu entre le défunt et les autres individus, deux autres individus. Un de ces deux individus a été placé en garde à vue, l'autre a quitté les lieux dès l'incident. La direction départementale de la sécurité publique cherche maintenant à comprendre les circonstances exactes de cette noyade.
Et malgré ces fortes chaleurs, certains continuent à faire du sport en pleine journée, alors que le thermomètre avoisine les 40 degrés. Rien n'est interdit, mais la préfecture et les médecins conseillent d'adapter ses efforts physiques avec ces fortes chaleurs. Le docteur Ali Kada, qui exerce à Vaux-en-Velin, constate que dans cet épisode de canicule, tout le monde n'a pas été exemplaire, contrairement à d'autres. Écoutez. Il y a une population qui vraiment s'est très bien adaptée, c'est les personnes âgées qui ont vraiment retenu les consignes de s'hydrater même si elles n'ont pas soif, de faire attention, de ne pas sortir. Moi, mes patients, eh ben, ils sont âgés, ils sont tous venus ce matin, par exemple, entre 7h et 10h. Ils ont pris rendez-vous très tôt, donc je les ai tous pris préférentiellement très tôt. Et puis ils m'ont dit, on rentre, on achète le pain, l'eau et on rentre. Les personnes qui se sont fait avoir cette année, c'est les jeunes. C'est les jeunes entre 20 et 50 ans qui se pensent en fait à l'abri et pas du tout. Donc c'est plutôt les jeunes qui se sont fait avoir, qui sont restés trop longtemps au soleil et du coup qui ont fait des malaises. Et la métropole de Lyon a pris des mesures avec cette vigilance rouge canicule. Les déchetteries ne seront ouvertes qu'en matinée de 7h30 à 12h. Les musées Confluence, et Lugnunum seront ouvertes gratuitement au public à partir de mercredi matin jusqu'à samedi inclus. Les parcs de Paris et de la Croix-Laval restent accessibles en soirée pendant la période de canicule. Les vacances n'ont pas le même goût pour tout le monde. Certains en profitent sous un parasol au bord de la mer avec les pieds en éventail par exemple. D'autres se plongent dans les révisions à Lyon, dans les bibliothèques universitaires. Plusieurs étudiants révisent déjà pour cette année qui approche. Des étudiants en médecine ou en classe préparatoire se préparent déjà aux examens qui arrivent cette année. Un reportage de Maëva Comsi. Pour certains étudiants, l'été rime avec... Hépato-gastro-entérologie, c'est tout ce qui concerne les maladies abdominales. Au mois d'août, ils sont près de 200 chaque jour à plancher sur les cours de la rentrée. Olivier aurait préféré partir à Berlin perfectionner son allemand. Faute de temps et de moyens, c'est à la bibliothèque qu'il révise son cours de langue. Parce que moi, j'arrive pas à bosser chez moi. Bah, ça aide grandement. Puis aussi, on se sent entouré, quoi, parce qu'il y a d'autres gens qui viennent de travailler, etc. Donc on se sent un peu moins seul et c'est plus facile à supporter. Surtout qu'en plus avec les réseaux, ça aide pas parce qu'on voit tout le monde à la plage, en boîte de nuit ou quoi que ce soit. Du coup, ça fait un peu de mal au moral, mais c'est pas grave. On dit que c'est le sacrifice maintenant et après, ça va porter ses fruits. Un été sous le signe de l'autodiscipline, loin des plages et des cartes postales. Lila va s'accorder seulement 5 jours pour retourner voir sa famille en Albanie. Que je fais une master de recherche et c'est exigeant de travailler tout le temps. Même si je fais une semaine d'écart, ça va me poser un grand problème. Et c'est la première fois que l'université ouvre sa bibliothèque en été, à la demande des étudiants en médecine eux-mêmes. Dans cette salle, beaucoup préparent le concours de 5e année, avancé de juin à octobre depuis la réforme de 2022. Saïf n'a pas le choix. Pour lui, c'est 8h-20h tous les jours à la bibliothèque. Si je rentre, je cuisine, je mange, je dors et puis je reviens ici. Ça fait 2 ans, c'est comme ça à peu près. Du coup, mentalement, c'est un peu compliqué, je dirais, quand même. Si le sable et le bruit des vagues n'y sont pas, un moment de détente est toujours le bienvenu. Les étudiants qui voient le coût de leur vie augmenter, selon une étude publiée par le syndicat étudiant de l'UNEF, il faut dépenser 1 256,27 € en moyenne tous les mois pour vivre à Lyon lorsque l'on est étudiant. Une somme en hausse de 3,82% par rapport à l'an dernier. Et dans un classement des villes les plus chères de France pour un étudiant, Lyon se situe à la 11e position selon le syndicat étiqueté à gauche. Lyon se retrouve derrière les principales villes d'Île-de-France et Nice, un classement réalisé selon le montant des loyers, le coût des transports en commun et un socle fixe commun à tous les étudiants de Paris, de banlieue parisienne et de province. Un classement établi par contre sans prendre en compte les aides sociales. Et en sport, du côté de l'OL, ça bouge encore pour ce mercato estival avec le départ de Karl Toko Ekambi. L'attaquant camerounais a signé en Arabie Saoudite avec le club d'Aba. Il va rapporter 2 millions d'euros bonus compris à l'OL. Le joueur de 30 ans aura eu une relation compliquée avec ses supporters ces derniers mois. Allez, c'est l'heure de la météo. Pas de surprise pour les jours à venir. Du soleil, des fortes températures jusqu'à ce vendredi. Julien Rifflet. La météo avec SFR. Il fait beau demain ? Attends, je demande à Marc. C'est qui ? Mon conseiller SFR. Oh. Cet été, avec l'appli SFR et moi, soyez bien accompagnés partout où vous êtes.
Le temps va rester chaud et bien ensoleillé pour ce mercredi, déjà pour ce matin. Un franc ciel bleu, un franc soleil qui va rester présent l'après-midi avec quand même en plus quelques cumulus qui pourront se développer dans votre ciel mais qui n'auront aucune conséquence sur le temps de la journée. Vos températures en matinée, il fera déjà 24 degrés à Pusignan, comptez 23 à Lyon. Et l'après-midi, regardez ces températures qui vous attendent sous abri. Il fera jusqu'à 41 à Givors, 40 également à Lyon. C'était la météo avec SFR. Il fait beau demain ? Ah, attends, je demande à Marc. C'est qui ? Mon conseiller SFR. Ah. Cet été, avec l'appli SFR et moi, soyez bien accompagnés partout où vous êtes. Allez, bonsoir Lyon, on continue. Merci pour votre fidélité, merci d'être avec nous. Dans quelques instants, on retrouve l'invité du Bonsoir Lyon. Et ce soir, nous aurons la préfète du Rhône, Fabienne Bussiot, en duplex. On va revenir sur la canicule qui frappe Lyon et tout le département depuis une dizaine de jours. Le département du Rhône qui a été placé en vigilance rouge hier. Quelles mesures sont instaurées par la préfecture ? Qu'est-ce qui va changer pour tous les Rhodaniens ? Vous saurez tout dans quelques instants. À tout de suite.